Rusa. Show that. Shatta style. Pakatan ou pakatan. Hey. Sanodi yo na toxic. Grosam, grosam. Hey. Tic tic tic, pa y piche bagay la. Tic tic tic, pa che kokoa. Tic tic tic, pa jemon pou la pot loto. Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je ris parce qu'il y a Oro qui m'a regardé pour bref. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Donc c'est la première fois que je fais un vlog comme ça. Donc là, aujourd'hui, en fait, nous sommes le 19 octobre et il y a la sortie La Virée Rose. Donc je vous montre. La Virée Rose, c'est une sortie contre la lutte du cancer. Donc, tu peux parler en même temps. Enfin oui, contre la lutte du cancer du sein, bien sûr. Donc, il fallait être en rose. On a des t-shirts avec des imprimés et tout. Et puis, voilà. Donc là, nous sommes actuellement à la station de la Galeria. Je vais, là, je suis dans la station, donc je vais sortir. Je vais vous montrer un peu les filles et tout. Je vais un peu vous montrer les filles, etc. Toutes les motos qu'il y a, vraiment vite fait. Malheureusement, aujourd'hui, il ne fait pas beau. Il pleut. C'est trop dommage, mais bon, je pense quand même que ce sera une belle expérience. Alors là, comme je suis sortie, il y a un peu de bruit. Vous verrez que c'est 100% filles, mais il y a aussi quelques garçons parce qu'il fallait des encadrants. Donc voilà. Voici mon petit bébé, une MT10. Bon, ça me fait un peu chier parce qu'il pleut, c'est un peu dommage. Mon visage est compressé. Actuellement là, nous sommes sur le parking de Dovia où on va faire la photo de groupe. Il y a quand même pas mal de filles. On est à peu près, je dirais une bonne quarantaine parce que il y a pas mal de filles. Alors, elle est dans le groupe avec une fille MT. Présente toi. Bonjour. Bonjour, moi c'est Didi. Là, je vous ai à montrer les bonbons. Là aussi, on a Marika qui est dans le groupe MT que de filles. Hé, rassemblement. Je vais laisser la clé sur la main. Ah non, c'est pas le Thank you.
Nous sommes arrivés à Saint-Pierre. Les gars, il pleut. On a pris une douche. Mais bon. Donc, je vous montre ma petite caméraman. C'est elle qui a filmé sur la route et tout. Dis un petit coucou. Coucou. Comment tu t'appelles? Eva. Ok. Et tu as quel âge? 14 ans. Donc, voilà, ma caméraman a 14 ans. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? Non. Donc, là, du coup, ben, comme je vous disais, il pleuvait. Là, ça commence à se calmer un peu, mais c'est compliqué. Donc, en fait, on devait faire notre première arrêt à Saint-Pierre. Nous sommes actuellement à Saint-Pierre. Ensuite, on devait aller soit au Lorrain ou bien Sainte-Marie, en faisant par le nom, pour ceux qui connaissent. Et puis, ensuite, on devait finir au François. Mais du coup, avec la pluie, on est obligé de tout remanier. Donc là, je pense qu'on va redescendre sur la ville, de ce que j'ai entendu. Et par la suite, on verra ce qu'on fait. Toujours pour finir au François. Finalement, nous sommes en ville. On a laissé Saint-Pierre tomber parce que, ben, on est trempé. Je sais pas si vous allez voir, mais on est archi trempé. On a pris une douche de dingue. Donc, du coup, là, nous sommes en ville. Je pense que... En plus, regardez comment il fait beau sur la ville, là. Vous voyez les trois îles et tout. Monter dans le nord. Tout ça pour prendre une douche, mais bon... Ça fait partie du truc, je vais pas vous mentir. Donc là, du coup, je pense qu'on pourra vraiment faire ce qu'on était venu faire. Donc, c'est-à-dire distribuer des tracts, sensibiliser la population. Nous avons un petit visiteur. Oui, bonsoir, bonjour. Présente-toi. Ben, moi, c'est John, avec la charmante, dont j'ai oublié le prénom. Mégane. La charmante Mégane. Donc, je vous invite à continuer de suivre son YouTube. Son avec ce studio-là, je pense que moi aussi, je vais m'y mettre. Merci. Donc voilà, les gars, j'ai de l'eau jusque dans mes fesses. Dans mes fesses, j'ai de l'eau. Alors, qui sont à dire? Eh bien, écoutez, messieurs, dames, nous avons roulé pour la Vivewas. Nous sommes allés à Saint-Pierre. Et bon, ben, on a pris de la pluie, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça s'est bien passé. On a surtout fait cette Vivewas. C'est pour le cancer du sein qui touche beaucoup de femmes dans le monde. Donc, beaucoup de prévention. Et puis, en espérant que notre passage sur la route, sur les routes de Martinique, on fait un petit peu d'effet, même si c'est 1%, mais c'est 1% de plus pour la prévention du cancer du sein. Voilà. C'était Marika. On n'a rien à dire ou quoi? Ben, je vais pas vous mentir, les autres, c'est même pas la peine parce que... On n'a plus rien à dire. Fille, à
dit. La fille elle a dit tellement de trucs que je sais même pas si quelqu'un voit quelque chose de ta vie. Tu as déjà dit? Non, c'est rien. Tu as déjà dit? Elle a tout déchiré. On a abandonné le truc parce que je pensais déjà abandonner parce que avec la pluie tout ça, la flemme, franchement. Et puis au final, ben, on ne va pas faire les autres points. Au final, la pluie a tout gâché en vrai. Donc c'est dommage. Là, je suis au McDo, je vais rentrer. Je mange, je vais rentrer et puis je vais me reposer. Pour l'autre sortie de demain que je ne vais pas filmer parce que j'ai pas de GoPro. Salut!